大家好，我是圆圆。我这几个礼拜在法国，突然开始注意到有很多台湾跟法国的东西是完全不一样的。我想到几个台湾的东西，我觉得我的家人完全没有用过，也完全不知道到底是什么。我今天要给他们看这些东西的照片，请他们猜说那个是什么用途，是什么东西。看完这个影片，不要忘记给我一个赞，还有订阅我的频道。好，欢迎收看。OK, donc aujourd'hui, on est avec ma sœur et papa.Alors aujourd'hui j'ai préparé des photos de différents objets de Taïwan, des objets un peu de la vie de tous les jours que tous les Taïwanais connaissent. Mais je pense que c'est vraiment pas connu en France, ou alors vous avez vraiment jamais dû les voir, je pense. Donc pour vous le but c'est de voir ces objets et d'essayer de deviner à quoi ça sert ou qu'est-ce que c'est. Alors on va commencer par le premier objet. On a plusieurs images, donc ça c'est la première image. La deuxième image. Troisième.Il y a différentes formes, mais vous pouvez voir que ça ressemble un peu. Il y a quelque chose de creux, il y a peut-être parfois un trou au milieu, pas toujours. Il y en a plusieurs, différentes couleurs, différentes sortes. À votre avis, Est-ce que ça serait pas pour mettre de l'encens, pour poser de l'encens? C'est une bonne idée, mais ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose un peu de similaire pourtant. Alors moi j'allais dire, mais alors c'est pour poser les couverts, les couteaux. Ok. Mais par contre pas avec un trou, alors le trou je vois pas. Ben là tu t'es pas mal rapproché quand même. Ouais. Tu devrais essayer de continuer dans cette direction. Mettre une serviette à l'intérieur. Ah, peut-être. Un truc de table. C'est assez rigolo parce que c'est vachement ça. Bon bah je vous dis la réponse du coup. Oui, vas-y. La réponse. Ah oui, bah oui, pas les couverts, bah oui, les baguettes. Évidemment. Tu m'as dit le couteau, mais à Taïwan, bon. Bien sûr, ça existe aussi les fourchettes et les couteaux, mais la plupart des gens utilisent surtout les baguettes. Ah, donc voilà. Ouais. C'est épousé, mais c'est pas de l'encens. Voilà, t'avais dit encens et du coup c'est un peu pareil, c'est un long truc. Et du coup l'histoire du trou, c'est que ça, tu les poses dessus quand c'est à table, et des fois quand tu ranges, tu mets les deux baguettes dans le trou. Et ensuite tu les ranges dans le tiroir. Oui, d'accord. Voilà, bon, pas loin, manquez de peu. Bon, on va essayer de faire mieux. Alors le deuxième, assez spécial. Alors on pourrait dire bêtement, mais on va pas le dire. Un parapluie, c'est ça? L'ombrelle. Sauf qu'il a des trous. Ah, il y a des trous? Là, il est transparent, tu peux voir l'intérieur. Ah oui. Donc il est pareil, il y a plusieurs photos, je vous montre. Ça ressemble pas mal à un parapluie, c'est vrai. Ou une ombrelle, non? Oui, plutôt ombrelle, non? Pour le soleil, pour, un peu. Pour mettre de la nourriture. Ah, pour mettre de la nourriture. Ah oui, là, c'est genre moustiquaire, plutôt. Non, pour protéger des moustiques. Ah, peut-être. Alors... Bah, il me semble. Alors, c'est ça, Oh oui, je pense. C'est ce que vous pensez? Protéger de la nourriture. Ouais. Eh ben oui. Alors ça, c'est, je sais pas si c'est très utilisé en France, mais à Taïwan, surtout dans les grands repas de fête, par exemple le Nouvel An chinois, il y a souvent de la nourriture sur la table toute la journée, parce que les gens mangent assez lentement, plus lentement que d'habitude. Du coup, pour éviter que les mouches ou les trucs comme ça se posent dessus, juste ils recouvrent. Je crois qu'on en a un quelque part quand même. Donc ça existe aussi. Il me semble. Un carré, comme on n'a pas aussi grand. Peut-être que t'es utilisé plus dans le passé, maintenant que le frigidaire est devenu très, très courant. Je suppose aussi que ça a dû exister dans beaucoup de pays, parce que c'est assez logique de protéger la nourriture, mais j'en ai jamais vu en France. Ok, bon. Bonne réponse, bravo. On passe au suivant, ça va être celui-là. On a une seule photo. On dirait un fruit. Oui, on dirait un fruit. Alors, les deux se touchent ou sont reliés ou pas? Ils sont pas reliés, ils sont indépendants. Ah oui, ils sont pas reliés. Et il y en a d'autres à côté d'ailleurs. Question difficile. Mais alors, on sait pas encore quelle matière c'est. C'est en bois. En bois. C'est en bois. Ah oui, en bois. Donc c'est pas un fruit. Et en général, c'est rouge. Alors là par contre... Peut-être encore pour poser quelque chose. Parce qu'on voit une usure d'un côté, pas à l'intérieur, mais du côté un peu extérieur. Est-ce que c'est pas pour poser une casserole ou quelque chose comme ça? Bon, celui-là est très dur à deviner, donc je vais vous expliquer. Donc en gros, et même moi je suis pas vraiment certain de tout connaître, hein, donc si je dis des choses fausses, vous pouvez laisser un commentaire et m'expliquer plus en détail. Ces deux trucs s'appellent Diaobei. C'est ce qu'on utilise au temple pour prier. Je crois que le processus, c'est que tu penses à une question. Par exemple, je sais pas, est-ce que je vais me marier bientôt? Ou des choses comme ça. Est-ce que je vais avoir une augmentation? Des choses comme ça. Et c'est une question pour tes ancêtres ou pour des divinités. Et en fait, je crois que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont les jeter par terre. Et il faut qu'il y en a un qui soit d'un côté et l'autre de l'autre. Il faut pas qu'ils soient les deux du même sens. S'ils sont dans deux sens différents, soit c'est oui, soit, je sais pas exactement, mais s'ils sont dans le même sens, c'est non,
il faut que tu reformules la question ou que tu réessayes encore une fois. Et puis, il faut le refaire et le refaire jusqu'à la fin où ça soit un dans un sens, un dans l'autre. Et là, là c'est bon, on peut, enfin c'est validé ou quelque chose comme ça. J'explique globalement. Oh, mais en taille, ça, ça a l'air grand. C'est, en fait, non, c'est peut-être comme ah, ça, oui, oui, à peu près deux petits croissants en bois. Oui, d'accord, là ça paraissait beaucoup plus grand. Oui. Ouais. Alors voilà, le suivant. Je trouve que c'est assez intéressant parce que pareil, c'est peut-être assez difficile à deviner, je sais pas, on va voir. C'est comme ça, voilà. Il y, ah, y oui. en a plusieurs de différentes sortes. Déjà, au premier abord, ça vous fait penser à quoi? À des sacs, bah, des petits sacs. Ah, c'est des sacs à main. Un petit, ouais. Ouais, ça ressemble à un sac. Ouais. Si je vous dis maintenant que, en fait, la partie bas, c'est troué. Ah, c'est un trou aussi. J'attends. Oui, alors là, du coup... du coup, tu peux pas mettre de choses. Ça va tomber, quoi. Ouais, alors là... C'est alors... pas pour mettre sur la tête. Est-ce que ça se met autour du cou, la lanière? Non. Bon, si je vous dis que c'est dans le domaine de l'alimentation. L'alimentation, troué comme ça. Non, ça peut pas être pour mettre des choses dedans, si c'est troué. Bon bah je vais vous dire... Le bras. Ah non, bah non, vas-y. J'ai l'impression que c'est pas, ça existe pas en France. Donc en gros, à Taïwan, c'est très courant d'acheter des boissons à emporter. Ça, c'est des sacs pour contenir les boissons. Comme les boissons sont légèrement en V, c'est pour porter la boisson comme ça avec la main. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, parce que moi je la tiens toujours à la main, j'en ai pas personnellement. Mais des fois c'est très très chaud. Ou quand c'est chaud, ouais. Peut-être quand si c'est chaud, c'est là par exemple c'est une boisson chaude. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont ça et puis ça peut être un petit logo mignon ou quelque chose comme ça. Ok, on passe au suivant. Alors le suivant, un peu compliqué. Donc ça, c'est une clé. Clé de scooter ou clé de moto. La chose à deviner, c'est à quoi ça sert ce rond qui est à côté de la clé. Parce qu'on peut voir, là il y a le rond. Ah oui. D'accord. Là il y a encore un petit rond. Il y a un rond. En gros, pratiquement sur toutes les clés de scooter, il y a ce truc en plus d'avoir la clé. Alors le rond, il tourne? Question. Il tourne pas. Il tourne pas. Mais il s'appuie. Il a l'air, d'après cette photo, vous pouvez voir un petit truc quand même, c'est que il a l'air d'avoir des petites choses à l'intérieur. Mais en général, ça se voit pas. C'est noir comme ça. Ah oui. Mais il ne tourne pas. Ça tourne pas. Alors là. Est-ce que ça empêche de se servir de la clé? Il y a de l'idée. Mais si quelqu'un vole, il peut pas s'en servir. Ça valide l'empreinte, peut-être? Avec identification de... Oui, enfin, ça serait fort, là. Non, c'est pas aussi sophistiqué, mais un petit peu quand même. Bon, ben non. Allez, je vous montre la réponse. Et ben, en fait, pour les scooters et les motos à Taïwan, en général, il y a une double protection. Il y a une sorte de volet. En appuyant sur le petit bouton jaune qu'on voit là, en fait, le volet va arriver par-dessus, là où on met la clé. Et en fait, là où il y a la clé, c'est derrière. Et donc en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des petits aimants alignés correctement avec les aimants de là. Ça fait plusieurs combinaisons possibles et impossibles d'aimants. Et ça permet de verrouiller et de déverrouiller ce petit volet. Si on fait pas ça, le scooter ne démarre pas. Bah tu peux pas mettre la clé. Tu peux pas rentrer la clé parce qu'elle est cassée. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Et ben on passe au dernier. C'est celui-ci. Alors je me demande si vous l'avez vu ou pas. On dirait des masques. Bah oui, on dirait des masques, mais c'est sûrement pas ça. Il n'y a qu'une image? Il y a plusieurs images, donc ça c'est un. On dirait ça c'est un autre. Mais il y en a que deux, voilà. Bon alors, c'est pas une genre de passoire quand même, je pense pas. Pour cuisiner? Oui, une passoire, mais il y a des gros trous, oui. Ouais. Non, non. Une autre suggestion alors, peut-être Pour mettre de la nourriture, pour emballer. Mais ça se plie ou c'est rigide? C'est souple, mais quand même assez rigide, quoi. Ça n'a pas de rapport avec la Covid, alors non, ça existait avant. Ah. Ah, si, peut-être. Si, moi, je vais vous dire, Joël, ce qu'elle avait dit que ça ressemble au masque, c'est relié, et c'est relié au Covid. C'est pour les chiens? Donc c'est relié au masque, mais il faut essayer de deviner en quoi c'est relié au masque. Je vais dire un indice, surtout chez les sportifs. Ah, c'est pour maintenir le masque un peu éloigné du nez, de la bouche. Et ouais. Ah oui, oui, ça. Voilà, pour pas qu'il se plaque. Donc en gros, on met le masque par-dessus. Ouais. Et les ficelles, elles vont de chaque côté. Enfin, en gros, il est à l'intérieur. Le masque est par-dessus. Mm. Et comme ça a une forme comme ça, alvéolée, ça permet de bien respirer tout en ayant le masque. Ah, j'ai déjà vu des choses comme ça, mais c'est pas la même forme. Pas la même forme. Ouais. Ah oui, parce que moi, oui, ça, en France, des fois. Oui, ça m'a gêné des fois. J'avais vu sur Google. Le masque qui se plaque. Ah ouais. Ah bah c'est pas mal aussi. Voilà. En fait, j'aurais dû ramener. J'avais vu vaguement, mais bon. C'est pas courant, je crois. D'accord. Ok, bah vous avez deviné une moitié à peu près, je dirais.
Il y avait des bons indices, il y avait des choses. Ok, bah donc juste pour conclure, qu'est-ce que vous pensez des différents objets que vous avez vus, certaines idées Bah là, le dernier, le masque, est très c'est bien. Pratique. Ah oui, ça c'est très pratique, je trouve. Ouais. Et le quai pour le café, là aussi, ou les boissons froides. Ah, les oui, dans le sac. Et la clé, la clé, c'est bien aussi, hein, parce que ça fait une sécurité supplémentaire. Bon, mais c'est pas mal. Voilà, bah, c'était juste une petite vidéo assez tranquille pour présenter des petites différences comme ça de la vie de tous les jours. Ah, si vous avez des gens qui ont 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 des gens q